Je suis Souleymane Bachir Diagne, je suis professeur, en ce moment professeur à Columbia University. Je suis dans deux départements, le département d'études francophones où j'enseigne pour l'essentiel la philosophie française ainsi que la littérature et la philosophie africaine. Et je suis dans le département de philosophie où j'enseigne l'histoire de la philosophie dans le monde islamique en particulier, et l'histoire de la logique mathématique. Et avant cela, avant d'être à Columbia University, j'ai enseigné pendant 20 ans chez moi au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis pendant 8 ans à Northwestern University à Chicago. Et aujourd'hui, je suis à Columbia où donc j'enseigne et j'écris et je fais des recherches dans trois grands domaines, dans trois domaines principaux. Un domaine de l'histoire de la philosophie en général, un domaine dans l'histoire de la philosophie dans le monde islamique, un autre domaine qui est celui des grandes questions et des problématiques philosophiques en Afrique, liées au continent africain. Et la découverte que j'ai faite de l'Institut d'études avancées de Nantes est probablement une des choses les plus importantes, des événements les plus importants qui me soient arrivés ces dernières années. Je dois dire que je connaissais l'Institut d'études avancées de Nantes par des amis et des collègues qui eux-mêmes y avaient été. J'ai posé ma candidature pour être résident de l'Institut un petit peu par hasard, sans trop savoir où j'allais. Et l'année où je me suis présenté, c'était donc il y a 2 ans. J'ai eu la chance d'être admis comme résident. Malheureusement, je ne pouvais pas trouver plus de temps que 6 semaines. Donc, j'ai été résident de la mi-mai à la fin du mois de juin. Ceci était donc en 2016. Et l'expérience a été plus que concluante. C'est une expérience absolument extraordinaire pour mon propre travail déjà. J'ai trouvé les conditions idéales pour travailler à l'Institut d'études avancées de Nantes. D'abord, c'est un institut où on est au calme. Et ça, c'est important. Je le dis d'autant plus que la découverte de l'Institut a été aussi pour moi la découverte de la ville de Nantes. Et je trouve que la situation de l'Institut dans la ville de Nantes est une situation idéale pour mener le genre de travail que j'ai pu faire. Deuxièmement, je me suis retrouvé avec des chercheurs résidant comme moi à l'Institut d'études avancées de Nantes et dans une interaction qui a été extrêmement productive. Un des maîtres mots de l'Institut, c'est le mot de sérendipité. Il y a une part de hasard extraordinaire dans la recherche. Une recherche s'est faite évidemment d'une sorte d'obsession avec l'objet même de sa recherche. Mais c'est également fait de rencontres inattendues. Le simple fait de parler de sa recherche avec d'autres collègues, même s'ils ne sont pas à proprement parler dans le domaine de sa propre recherche, cela est tout à fait productif, peut s'avérer tout à fait productif, et c'est l'expérience qui a été la mienne. Nous partager nos recherches, présenter nos recherches. Ensuite, en discuter dans des cadres tout à fait décontractés, le cadre qu'offre, par exemple, un repas partagé, donc de partager un repas 2 ou 3 fois par semaine. Tout ceci a été une expérience qui m'a convaincu de l'excellence du lieu et qui m'a convaincu, lorsque la proposition m'en a été faite, d'avoir une association encore plus durable avec l'Institut d'études avancées. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté, j'ai d'abord voulu et j'ai accepté d'être membre associé de l'Institut, ce qui me permet de revenir déjà physiquement pendant 3 ans chaque année, toujours à la fin de mes cours à Columbia University, et également d'être partie prenante dans la direction intellectuelle de l'Institut. Donc, apporter ma contribution à l'orientation intellectuelle de l'Institut m'a semblé être une mission à la fois agréable et utile, et je me suis engagé dans cette voie-là avec le plus grand plaisir.
Cela tient à, encore une fois, à la nature de l'Institut. Je dis toujours que c'est un lieu du décentrement. L'Institut d'études avancées a pour au cœur du projet de l'Institut d'études avancées se trouve une attention très grande à ce qu'on pourrait appeler les épistémologies du Sud, la contribution intellectuelle des Suds de manière générale, du continent africain, du continent sud-américain, de l'Inde, de l'Asie, etc. Et cette volonté de décentrement est absolument capitale aujourd'hui. À une époque où on parle beaucoup de post-colonialité, de décolonialité, de décolonisation des savoirs, bref, de la prise en compte d'une mondialisation qui n'est pas simplement le simplisme d'un centre, toujours le même, et de sa périphérie. C'est ce modèle du centre et de la périphérie que l'Institut d'études avancées de Nantes a vocation à remettre en question, et c'est un projet intellectuel fabuleux pour lequel je suis extrêmement heureux d'être mis à contribution, et j'apporte ma contribution, si modeste soit-elle, avec le plus grand plaisir et le plus grand enthousiasme.